Hey, salutations à tous, c'est Jazz Lamette et bienvenue à ma série Explore à jour cet épisode. Je prends le rôle de Tintin, puis ben je continue mon enquête dans les cigares du Pharaon que j'ai débuté hier. Donc, c'est l'épisode 2. On va voir ce que ça va m'amener. Mais à date, bien aimé ce que j'ai vu dans les deux premières heures. Par contre, les énigmes, hein, les casse-têtes, ça, les puzzles, pas évident. Il y en a qui sont pas faciles. J'ai hâte de voir si ça va diminuer, ça va augmenter avec le temps. Mais bon, on va voir. OK. Donc, c'est parti. Fait que je continue exactement ce que j'étais hier, en fait. Voilà. Ma gorge, ben, ma gorge, correct, je pense. En tout cas, pour la vidéo, j'imagine. Parce que ceux qui sont pas au courant, depuis environ 3 semaines, j'ai douleur à la gorge, seulement du côté droit, dans le bas. Puis l'infirmière m'a examiné tout ça, puis elle m'a dit ben, prends de l'eau puis du sol, dépasser, ça devrait être correct. Là, c'était parti, puis là, c'est revenu en force en fin de semaine, fait que je sais pas c'est quoi. Bref. Sapristi, il y a quelque chose de l'autre côté. Nous devons trouver un moyen d'ouvrir cette porte. Dommage que le professeur ne m'ait pas appris à déchiffrer plus de hiéroglyphes. Ceci ressemble à des pipes. Peut-être ont-ils quelque chose à voir avec le cigare trouvé dehors et saperlipopette. Cela me rappelle quelque chose, pas vrai, Milou? Okay. Là, j'ai trois trucs présentement dans mon inventaire. Puis il faut que je trouve qu'est-ce qu'il faut que je fasse, qu'est-ce que je dois faire avec ça. Ok, ici, il me demande de prendre une photo. Photo de. Il est où? Ça marche pas. Voyons. Je vais prendre une photo. Milou, tasse-toi, t'es dans le chemin. T'es comme enseveli dans le sable. Pourquoi ça fonctionne pas? Bon. Toi, du victoire disparu sur la piste, découvrir le secret de son beau, ouvrir la porte de nos. Ok, bon. D'accord. Plusieurs trucs à faire. Ok, c'est là, sauf que. Ben oui, mais j'ai pesé sur le triangle, là, Calvos. Bon. Ouais, c'est ça du. Ok. Ça devrait être bon, ça. Et voilà. Parfait. Une photo de fait. Milou, ça va? T'es pas trop. On dirait vraiment que t'es dans le sort mouvant, garçon. Un peu bizarre, tout ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ici? Ah. On dirait une salle de repos pour les bâtisseurs ou les embaumeurs qui travaillaient ici. Ça me dit pas plus quoi faire, mais bon. Il y a sûrement quelque chose avec truc de lumière, et puis je peux les comme les bouger, ça je pense. Parce qu'il y a des lignes par terre, fait que je sais pas. Comment, jusqu'à quel point je peux les bouger? Je viens de voir qu'il y avait ça, là. Ah, bon, voilà. Ok. Moi, ce que je trouve, c'est que ça reflète ça. Ah, ouais, lui, je suis poussé. Ok.
pense qu'il faut que je m'arrange que ça reflète sur la porte. Je suis pas convaincu. Mais non, mais... Prends-le. Là, la lumière reflète sur le mur, là. Mm-hmm. Ah oui. Marche pas fort fort, mon affaire. Ok, fait que lui, il peut pas bouger plus que ça. Ok, mais toi, tu vas aller où de bord? Milou, tasse-toi! T'es dans le chemin. Bon. Ok. Faudrait-je réussisse à tourner les statues? Mais les faire pivoter, c'est-à-dire. Je pense pas s'il y a moyen de le faire. Milou, il est comme pris là un petit peu. Non, il n'y a pas moyen de les faire pivoter, ça. Et j'ai des gemmes, mais qu'est-ce que je fais avec les gemmes? J'aime pas ça. C'est moyen de mettre les gemmes à quelque part. Oh non, la lumière! Je vais devenir aveugle. Attends, je pense que je viens de comprendre. Maintenant, c'est de savoir si la lumière va passer. Et vas-y, n'aie pas peur, pousse-le. Ok, la lumière reste de même. Ah, il aurait pas fallu que je... Ah ouais, ok. Attends, là. La lumière frappe en arrière de sa tête. Je pense qu'il faut que je le tasse l'autre bord.
Vite. What the hell? Ok, parce que tu fais plus la lumière. Ça, faut que ça reflète l'autre bord. Ça serait pas grand chose. Ok. Avez-vous une idée? Parce que moi, ça me dit rien du tout. Pour vrai, là, j'ai beau essayer, mais. C'est mettons que j'y mets d'un côté ou de l'autre. C'est pas si. Parce qu'il n'y a pas moyen de faire pivoter, c'est ça l'affaire. Fac. Je sais pas trop. Parce que je pensais de mettre les gemmes dedans, ça fonctionnerait, mais. Faut dire que non, les gemmes, ça fonctionne pas. Fac là. Faut que je trouve un moyen de faire. Et pourquoi. Ok. Si. Si lui, je le tasse dans le fond complètement. Ok, puis après ça, je le mets l'autre dans le fond. Et droite. Il doit y avoir des symboles, quelque chose. Ok. Mettons que cela. Et je le ramène, mais. Ok, fait que c'est. Ouais, quand même! Mais là, attends. Je pense pas que ça va faire. La lumière s'en va sur lui. Oh! On a un symbole ici. Ok. Ça me sert à quoi ce symbole-là? Donc. Lui, il faut que je le mette de dos. Comme ça. Donc, faut que je fasse la même chose. Faut que je le retasse. Ok. Maintenant, faut que je prenne celui-là ici. Tu es où tu es cheveux, Mike? Non, j'ai pas joué à la première version parce que, comme j'expliquais hier, le développeur, ben pas le développeur, mais Microïd, l'éditeur en fait, a arrêté après seulement 2-3 jours d'envoyer le jeu parce qu'il était vraiment trop buggé, trop de problèmes.
Fait qu'ils ont tant qu'ils ont dit tant qu'à se faire démolir, on va arrêter d'envoyer des copies. Moi, c'est une copie que j'ai achetée. Sur PS5, en fait. Ok, Milou, tu tripes solide, hein? Lâche la statue, ça va être beau, là. Je sais que t'es pris dedans. Bon. Ok. Non, là, j'avoue que... Je sais pas qu'est-ce qu'il y a valeur avant. Mais je sais que quand je l'ai installé avant de faire ma vidéo, hier, j'ai eu une mise à jour d'à peu près une couple de gigs à faire. Fait que, je sais pas... Mais comment que je fais pour faire comme l'autre, en fait? Je suis directement dessus. Là-bas, il est fait comment? Là? Comment je l'ai placé? Ok, fait que lui, il reflète... Attends. Ça veut dire que lui, il a pas rapport pour l'instant. Faut que j'aille le faire refléter sur lui. Bon. Ok. J'ai deux symboles. En tout cas, je pense, je suis pas sûr. Parce que, non, ça a pas l'air de symbole, ça. Attends. Non, ça a pas l'air de symbole, ça me semble. La seule affaire que je peux voir, peut-être, c'est de le mettre lui là dans le même. Non, ça n'a pas rapport. Ok, ben là, je suis comme. Attends. Moi, j'ai l'impression que ça donne les deux symboles qu'il y a là. Le rond qui est là, puis l'espèce de barre là. Mais là, j'ai le cercle. Puis j'ai rien à faire pourtant, mais... Allez, je vais dire les énigmes, là. Dans Tintin, là. Pas évident. Je vais changer les statuts, peut-être. Comme tu as dit, Marc, c'est peut-être ça, mais... Pas convaincu. Moi, je pensais qu'on pouvait faire, on pouvait les faire pivoter. Fait qu'en faisant ça, ça aurait été comme facile, mettons, tu sais, de faire... Parce que tu vois, là, lui, il y a une espèce de symbole, faut que je fasse apparaître. On voit, là. Puis lui... ouais, là, c'est dur à dire. Ok, bon. Fait que d'après moi, je pense que c'est ça. Faut que je change les deux statues. Lui, je l'amène là. Ah ouais. Ok, non. Comment je peux faire ça? Bon. Parce qu'il faut qu'il reflète ta symbole, si je comprends pas. Attends. Il y a un moyen de faire apparaître les deux symboles, c'est sûr et certain. Mais, je peux pas changer les figurines... pas les... En tout cas, les figurines de place. Les statuettes, en tout cas, bref. Ça, là. Fait que... Attends. Celle qui a un... Ok, lui... Je pense que lui, il faudrait que je le tasse là, parce que... Il n'y a pas rapport. Puis j'amène l'autre... Là-bas avec le symbole, là, avec des lignes. Je sais pas trop si ça va changer quelque chose, mais en tout cas... Si je l'essaie pas, je le saurais pas. Allez! Bon. Ok. Milou, tasse-toi, Calvas. On va te faire écraser. Parce que je me dis que s'il prend l'arrière de la statuette, il va être capable peut-être de refléter ça sur une des.
voyons, ça là, les colonnes, c'est ce que je me dis, mais tu sais, je suis peut-être dans le champ carrément aussi, là. Je dis peut-être n'importe quoi, là. Ça, c'est bon. Voyons, Tintin. Bon. Peut-être pas ça, finalement. Je peux pas aller plus loin. Sac. Oh yeah! Ok, bon. Un symbole qui est apparu là. Donc. L'autre, il est où? L'autre symbole, il est là. Ok, bon, parfait. Fait que peut-être qu'il y a deux statuettes qui ont même pas rapport, c'est juste pour nous fourrer plus que d'autres choses. Excusez du terme, mais c'est ça pareil. Ok, celle-là, je vais la tasser là. Ok. Celle-là, je vais la tasser aussi parce qu'elle n'a pas rapport. On va voir après, là. Ok. On va chercher l'autre petit monsieur qui est là. Ouais, sauf que là, lui, il va refléter sur quelle colonne? Ah, la colonne est là! Merde. Ça veut dire que... Attends. Si je l'amène là-bas. Ah ouais, parce que le symbole même il passe à travers et on le voit là-bas sur le mur. Bon, là je peux plus y aller évidemment. Ok, comment. Je peux pas la tasser plus que ça. Hein? Milou, tasse-toi, bordel! Ok, non, je peux pas aller plus loin que celle-là. Étrange. Ok, mais j'ai un symbole. Je sais pas trop pour vrai. Faut que je réussisse à aller. Je pense faut je sais pas où faut. Faudrait que je cherche où les fleurs reflétées sur le mur, ça serait déjà bon. Hein? C'est-tu la porte en avant? C'est-tu, tu sais, c'est... C'est ça que je sais pas. Ok, attends. Si... Parce que... Faut qu'il reflète directement sur la porte, on est d'accord? Ça fait qu'il faut que... Faut que je réussisse à le faire refléter sur... Je pense que les deux autres, ils servent juste à faire comme... comment je peux dire ça? Un reflet, mais un reflet de la... Attends. Faut que je réussisse... Si je tasse l'autre en face de même... Puis... Attends, t'as peu, là, je réfléchis trop, je pense, là, puis là, à un moment donné, là. Ok, lui, il est correct, là, je pense, il n'y a pas de problème. Ça, c'est les deux par rapport. Fait qu'il faut que j'arrive, je pense, à... Eux autres, ils vont juste... Ah, merde, faut que je passe au bord. Je pense qu'ils vont juste servir à faire dévier le reflet, en fait.
Mais je suis pas sûr, parce que faut qu'il arrive où ce que la porte, là. On voit, il y a deux symboles sur la porte, c'est ce symbole-là. Fait qu'il faut que je réussisse à faire dévier le symbole, je pense. Comme le symbole qu'on voit là, là. Mais, ouais. Attends. Si je le place de même. Puis c'est lui. Et, ouais, je pense que je fais n'importe quoi, mais en tout cas. Hop, hop, hop. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai entendu un... Attends. Le symbole est exactement dessus. Ok. Okay. Lui, il est de bon côté. Ça, c'est celui du soleil, en tout cas du rond. Je vais aller remettre ce qui était là. Je pense que c'est juste de jouer avec les deux autres. Je pense que c'est juste ça la perspective là. Parce que je pense que mon idée est bonne. En tout cas, j'espère. Lui, il touche... Ok. Bon. Les deux... Attends une minute. Les deux, ils ont... Ah, attends, sont... Non, les deux sont pareils. Je m'en ai dit, il y en a un à droite pour ta gauche, mais non. Les deux, ils ont les bâtons de même. Fait que c'est pas ça. L'angle est pas le même. Ben... Il est à côté de la tête. Moi, je te disais que les deux sont pareils. Là. Attends. Ok. Salut Max! C'est bon, il apparaît là, mais il faut qu'il apparaisse à la porte. Voyons. Ouais, là, ça change pas grand chose. Ben écoute, je vais essayer de les changer, mais je pense pas que ça change de quoi, là. Mais écoute, tu sais, on sait jamais. Prendre celle-là, on va prendre l'autre. Ah, le symbole reste là quand même, fait que... Je sais que je suis pas loin de la solution. Ben, faut que je l'amène directement sur la porte. Donc. Ouais, mais faut que je sois capable de... Tu sais, c'est comme deux statues chaque côté, j'imagine. Là. Je veux dire, y a pas de... Je sais pas trop, là. Attends.
Si... Si je mets celle-là dans le coin... Parce que ça prend une statue chaque côté, t'as pas le choix. Faut qu'il y ait une statue en haut puis une statue en bas. C'est juste, je pense que c'est juste l'angle qu'il faut gauger dans le fond. Ouais, je pense que j'ai peut-être trouvé une piste de solution en fait. C'est que lui, en fait, pourquoi pas? Ouais, je pense que je viens de trouver. Dans le fond, faut pas qu'il dévie. Ah oui, je viens de trouver. Ok, c'est beau. Parce que le faisceau lumineux, faut qu'il reflète sur lui en premier. Celui que je viens de tasser. Pour que lui, il reflète sur le dessin de l'autre puis qu'il lance sur la porte. Je pense que c'est ça. Eh boy, ça a été long avant que je me réveille, mais je pense que je viens de me réveiller. Là, il les reflète tout. Ok. Attends. Je vais voir le reflet. Ok, il donne directement dessus, présentement. Ok, ça c'est bon. Tu veux-tu bien? Bon. Ah, je pensais que je l'avais, mais c'est peut-être pas ça finalement. À moins que je tasse celle-là encore. That's it! Oh, il est quasiment dessus! Ok. Attends, qu'est-ce qui s'est passé là? Ben, faut juste penser dans le fond, là. C'est juste que... Attends, là. Pourquoi qu'il est plus... il se dit... Ok, bon, parfait. Non, il n'y a pas de ça encore. Attends. Ben, je sais plus comment je l'ai placé tantôt. Ah, faut que je le retasse. Voyons. Là, à force, faut que je pense, faut que je le tasse plus par là. Puis l'autre, faut que je le tasse plus de l'autre côté qui reflète sur l'autre, mais. Ah, oh, come on! Ah ouais, t'es capable! Ok. Bon. Faut qu'il envoie le jet, ça. Comment? Et tantôt, il suivait. C'est ça qui est plus là et on dirait qu'il suit plus. Comment j'ai fait ça, moi? Hey, c'est du gossage pour rien pour elle.
Je l'avais, ça m'a cœur. Ok, là, ça a l'air de quoi? Ah, il est pas loin, il est pas loin. Ok, fait que. Attends. Faut que j'aille repousser lui. Ok. Bon. Ça paraît pas, mais à un moment j'ai du plaisir. Bon, demain ça devrait aller. Hein? Ok. Elle fait chier! On va essayer d'aller placer l'autre là. Ok, bon. Lui. Bon, je vais le tasse parce qu'il faut que ça dévie sur lui ici. Ça, on avait compris. Ok. Faut être patient dans la vie. Ah mais je peux pas aller plus loin. Faut-tu que je le traverse l'autre bord? Ok. Attends une minute là. Si je le traverse l'autre côté, dans le fond, attends, faut-tu que je les inverse d'abord? Ok, si au lieu que le rond soit en bas, ok, attends une minute. Attends un petit peu. Ok. Moi, je pense que lui, là. Je pense qu'il faut que c'est l'autre bord de la colonne qui est brisée. Comme ça, ils vont dévier en diagonale. Je pense. Mais là, je dis peut-être n'importe quoi, là. Est-ce que. Ok. Milou, Calvins. La ligne arrête tout, là. L'autre bord. Ok, ça ici de même. Ah, pourquoi je peux pas aller plus loin? Ah! Lui, c'est lequel, là? Attends une minute. Lui, c'est le rond. Le rond, il n'a pas le choix d'être là. Okay, toi, t'as ça par là. Toi, dans ma... Ah, c'est ça! Ok, c'est ça. C'est ça, c'est pour ça, parce que il devient pas assez en diagonale pour la porte. Je pense que c'est ça. Ok.
Bon, lui. Toi, tu t'en vas là, mon cher coquet. Ok. Bon, Ben, salut, Mike. Merci de passer. Désolé si c'est long, là. Je m'excuse. Ben ouais, mais je suis pas. C'est pas mieux, je peux pas le tasser. Comment je peux bien faire ça? Ok, attends deux secondes. Là, faut que je réfléchisse là. Dans mon cas, c'est pas évident des fois. Ok. Donc. Lui, c'est sûr qu'il soit dans le fond en haut, il n'a pas le choix. Mais. À moins que ce soit pas le bon. Mais tu sais, il me semble que. Ils sont pareils, hein, non? Non? Ok, ah, ok, c'est ça. Je pense qu'il y en a un qui dévie à gauche puis l'autre à droite. Je pense que c'est ça l'affaire. Eh hey boy, c'était pas évident. Et voilà. Ok, là, faut que je réussisse à le faire des. Faut que je tasse l'autre là-bas. Ok. Hey, désolé, ça a été long, mais les énigmes dans Tintin sont pas évidentes. Tu as vu Sam Lou? Oh yeah! Le rayon de lumière de la statue passe à travers le trou dans la porte. Ok, fait que c'est ça dans le fond, les deux, fait que je les intervertisse. Ça fait que lui s'en va ici. Voyons ce que cela donne. Yeah! Et voilà! Fallait bien que Mike s'en aille, que je l'aille. Soyons prudents. Qui sait ce que nous allons découvrir ici? J'espère que tu ne penses pas encore à ton scarabée. Max, je sais pas si t'es encore là, mais bon. En tout cas. As-tu vu cet énorme signe de kiosque sur lequel semble reposer la statue? Il doit encore s'agir d'un genre de porte. Un genre de porte. Exactement comme je m'y attendais. Non, pas encore un autre énigme. Peux-tu avancer, c'est toujours juste des énigmes? Okay, c'est quoi ça? Oh, regarde! Une gemme blanche. J'aime ça. Ok, et puis comment je fais pour la chercher? Bon. Il n'y a rien à l'intérieur. Ah, t'as vu ça de même, toi, de loin comme ça. On m'a parlé de ce jeu lorsque j'ai appris à jouer aux échecs. Il s'agit du Senet, l'équivalent égyptien. Oh non, non, hein, tu me feras pas jouer aux échecs égyptiens, là. Là, c'est pas être ça, je décroche, moi, là, wow. Déjà que les échecs, pour moi, À quoi peut bien servir cette balance? Mettre des trucs dedans, qu'est-ce que t'en penses? Suis-je censé déposer quelque chose dessus? Je pense que oui, moi. Ok. Celui-là est vide. Cela me rappelle quelque chose dont le professeur m'a parlé. La pesée du cœur. Dans l'Égypte antique, on pensait qu'après la mort, le poids de votre cœur était comparé à celui d'une plume. Si les poids s'équilibraient, on était jugé digne d'accéder au paradis. Peut-être faudrait-il trouver un cœur et une plume, puis les déposer sur la balance de la statue. C'est sûr qu'il y a ça à l'intérieur de la pyramide, en tout cas du tombeau. Il est vide également.
Bon, mais j'imagine que ça va être dans les deux. Il doit s'agir du genre de traîneau dont m'a parlé le professeur. Ceux dont les Égyptiens se servaient pour transporter des objets lourds. Mais encore. Bon. Là, il doit avoir une plume là-bas, puis il doit avoir un cœur à l'autre bout. Ça doit être ça d'après moi. Ok. Zut! Comment faire pour l'ouvrir? Oh oh, je n'aime pas trop ce genre de clic. Est-ce que je mette le feu dedans, non? Il va se passer quelque chose. Je le sens. Ben, moi aussi. Il doit y avoir un truc pour l'ouvrir. Mettre le feu dans un masque là, non? Okay. Encastrer la gemme bleue? Oui, mais je veux dire, c'est laquelle qui va laquelle, là? Ok. Y a-tu un ordre pour les mettre, ou n'importe quel va n'importe où. Ce serait trop facile. Oh, 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 oh! Comment faire pour l'ouvrir? Ben là. Il doit y avoir un truc pour l'ouvrir. Ok, attends. Y a-t-il un système de couleurs quelque part? Comment faire pour savoir quelle est la bonne couleur? Moi, mon hiéroglyphe, là, il est pas très bon. À moins qu'il y ait quatre... Non. Non, il y a juste deux... Je vais aller voir ailleurs. Ces amphores sont remplies de papyrus. Allez savoir quels secrets ils peuvent bien renfermer. Ok. Et voilà, on va mettre le feu! Bon! Oh, ça révèle des couleurs! J'aimerais me souvenir du nom de tous les dieux dont m'a parlé le professeur. Ah, la calmos, là! Ok, on va prendre une petite photo de ça pour la postérité. Surtout pour savoir ce que je m'en vais avec tout ça. Ok. Parfait. Là, je vais pouvoir savoir où les mettre là, comme il faut. Il est temps, Melou. Y a-t-il quelque chose encore là? Ces amphores sont remplies de papyrus. Il m'a dit la même chose encore. Quels secrets ils peuvent bien renfermer. Bon, d'accord. Ok. En tout cas, si ce jeu-là, il est coté en Europe, c'est un plus. Il y a un problème parce que ça peut pas, là. Tu peux pas avoir 7 ans puis trouver les énigmes dans ce jeu-là, c'est impossible. Bon, on va commencer par les faire l'autre. Ok, il faut que je reparte avec ça, moi, j'ai pas le choix. Ok. On va aller replacer les gemmes aux bons endroits. Parce que j'aime ça réussir. C'était où donc? Ah, c'était ici. Ok. Bon. Donc. Lui. Ça, c'est un régulier. Le régulier, c'est le vert. À moins qu'il y a-tu un. Ok.
Je vais tous les reprendre, là, ça va être moins compliqué de même. L'oiseau. Encore là, c'est pas le bon. Mais non! Ah, ok. Ensuite. C'est quoi, c'est un loup, ça? Le loup. Je suis pas sûr des couleurs, là. Attends. C'est celui-là qui va là. Après ça. Ok. Il va pas là. Lui, je pense que c'est la jaune. Orange, en tout cas. Whatever. Bon. L'oiseau. C'est la blanche. Les couleurs sur la photo, c'est pas évident. Oh yeah! Ok. Encore mettre le feu là. Je vais mettre le feu partout finalement. T'éteins le pyromane. Oh, parce qu'il y a un ordre en plus de ça. Oh, attention, excusez, pardon. Bon, je pense que celui-là il était bon. Ok. Ça c'est bon. Maintenant. Yep. Milou, qu'est-ce qui se passe? Okay. Oui. Ça c'est le cœur. C'est le pire clic que j'ai jamais entendu. Cours, Milou! Ça perd les popettes. J'ai pesé sur rond, ça a pas marché. Ok, phase de QT ici. Quel saut incroyable! Ouais, cool, Forest! Ok. Ça va bien, Milou? Bah! Eh bien, dis donc, ce n'est pas passé loin. Fait que là, attends. Ok. J'espère ne pas m'être trompé. Là, faut que j'aille chercher la plume. Qui est en haut ici. Bon. Si j'étais une plume, je me cacherais où? Oh non, pas ça encore. S'il vous plaît. On dirait un croisement de rails comme ceux des autres statues équipées de miroirs. Mais à quoi peuvent servir ces deux trous? Pour que cela s'ouvre complètement, il faudrait que quelque chose de plus lourd que moi se trouve pile à cet emplacement. Ok, d'où la statue finalement. Ça, c'est quoi? Regarde tout ce sable qui s'écoule. Avec suffisamment de temps, il pourrait remplir toute la salle. Ok, bon, on rajoute un petit facteur temps avec ça. Hein, rien de trop grave. Pas moyen d'aller plus loin dans cette direction. Pourquoi? Attends, faut que ça tourne, cette histoire-là. Là. On dirait un croisement de rails comme ceux des autres statues équipées de miroirs. Mais à quoi peuvent servir ces deux trous? Comment je fais tourner ça, moi? Ah! Quel okay. type de bois peut tenir durant tant de siècles? Tourne! On dirait que cela veut bouger, mais cela ne bouge pas.
T'es sérieux là? Il manque encore quelque chose. Ah, y en a un autre. Ok. Ah. Bon, espérons que cela me sera utile au final. Ben oui, toi. Je fais comment pour enlever ça de là, moi? On pourrait se demander combien pèse un grain de sable. D'accord. On pourrait, mais est-ce que ça me tente? Je pourrais utiliser le bâton comme levier, mais il est trop épais pour passer entre le couvercle et l'arche. Qu'est-ce qui me manque? Mais oui. Mais oui, quoi? Je tiens à remercier la personne qui a eu l'idée de donner une forme d'escalier à cette statue. Ouh, mais non, je vais pas tomber. T'inquiète pas. Ok, ça va recueillir la sable? C'est ça? Pousse-toi, Milou! Je pense qu'il n'a pas cassé. T'es-tu déjà demandé combien pèse un grain de sable, Milou? Je pense qu'il s'en fout un peu. Million de fois moins qu'un million de grains, et c'est à peu près le nombre de grains qu'il doit y avoir là-dedans. Ok, fait que j'ai tout fait ça pour rien, moi, finalement. Ben, pas vraiment, mais en tout cas, bref. Hourra! Espérons qu'elle ne se referme pas. Moi, je pensais, en fait, que c'était juste pour. En tout cas. Je dois résoudre ceci. Ok. Est-ce que je peux les faire pivoter? Oui, ok, parfait. Ok, lui va là. Lui va là. Ok. Lui va là. On joue à Tetris. On a du plaisir.
faire. Ok. Et triangle en haut. Ah. Évidemment. Oh, je sais que tu espérais trouver un scarabée, mais regarde. Une magnifique œuvre de plume de scarabée, non? Tu ne trouves pas? Non, parce que ça n'a pas de plume, on s'entend, mais c'est pas grave. Dans Tintin, oui. Bon. Ok. J'ai la plume, j'ai le cœur. Maintenant, faut que je retourne là-bas. Espérons que ce grondement ne soit pas annonciateur d'une catastrophe. J'espère aussi. C'est quoi faut que je fasse en fait? Attends, il y a le symbole de ça quelque part, non? Attends. Ça, je trouve ça où, ce symbole-là? Ok, ici. Donc, il y a un rond à l'intérieur, puis un rond à l'extérieur. Ok. Bon. Fait que ça. Ça. Voilà. J'ai réussi. Nous ferions mieux de reculer un peu. Ma parole. Mais... est-ce que tu as vu? Allez, on y va, nous. Let's go! Au milieu, il a pas l'air content d'être heureux. Il fait drôlement noir ici. Heureusement, ce rayon de lumière semble descendre jusqu'à... eh bien... notre destination, je suppose. Si j'ai retenu quelque chose sur les Égyptiens, en dehors de leur passion pour les portes qui se ferment toutes seules, c'est qu'une lumière indique toujours la sortie. Je regardais s'il y a pas une photo à prendre quelque chose, mais pour l'instant, non. Voilà qui est mieux. Te souviens-tu de Chicago, quand je passais de fenêtre en fenêtre en haut de ce gratte-ciel? Eh bien, c'est encore plus haut. Oh, Milou, c'est à ton tour. Dommage qu'il soit trop petit. Milou, crois-tu que tu pourrais... Brave Milou. Mais fais attention, d'accord? Ça, c'est quand même bien pensé. C'est que tu sois plus petit que moi. Ouais, ici, je vais essayer de trouver des os, parce que... il y en a de cachés dans les niveaux. Le but étant de fouiller partout, évidemment. Du nouveau, Milou! On se calme, jeune homme, on se calme. Je cherche. Ok. As-tu trouvé un moyen de sortir? J'ai dit de te calmer, jeune homme. C'est pas content, mais il y a le faire toi-même, hein?
C'est où la chemin, mais cherche pas les... Le tunnel doit être vraiment très long. Au tact, en tout cas. Oh, ah. Te voilà. Je commençais à m'inquiéter. Vois-tu quelque chose qui pourrait m'aider à traverser? Je peux pas aller là. Ah, ok, en face de moi. D'accord. Ben, ok, donc je pourrais aller où, hein? Là, un cheval quand il court. Ah, je pense que j'aurais peut-être pas sauté assez haut. Non, ça n'a pas rapport. Mais t'es bien tata! C'est juste un chien après tout. Là. Ça en a un prise 3. Oui! Ok. Bon. Tu pousses cette pierre là, non? Fait que c'est vraiment en face de moi là. Ok. D'accord. Et ensuite. Je suis revenu comme sur mes pas, là. Quoi? Qu'essayes-tu donc de me dire? Ça. Ah, c'était ça. Tu ne cesseras jamais de m'impressionner. Oui, mon brave Milou. Tu es fabuleux. Allez, continuons d'avancer. Un petit peu de corniche.
Hey, le comique, ah ouais, vite, vite, saute! Ah! Le gratte-ciel de Chicago était un jeu d'enfant, finalement. Je sais que c'est des pièces. Ah ouais. Hein. Ok, c'est un jeu de même. On lui enlève ces deux-là. Lui il est relié là. Qui est relié avec le haut. Ok, celui-là est relié avec le haut. Faut pas que je touche à ce zoo. Lui enlève celle-là. Lui enlève celle-là. Ok. Je pensais que je l'avais eu. Eh, mais il est pas évident celle-là. Lui est relié à lui. Oh, come on. Ah, il m'en reste un, là. Ok, lui, il est avec lui. Non. Non. Non, moi aussi j'aime ça, mais celle-là, je sais pas, là. Tintin m'a dit que les puzzles sont loin d'être évidents, là. Je peux te le garantir, mon cher. Je pensais que je l'avais. Ah, merde. Non, pas lui. Lui, non. Lui, non. Il m'en reste toujours un. Ces deux-là sont reliés ensemble, ça c'est correct. Ça, c'est la même chose.
Le pire, c'est que dans ces affaires-là, il y a juste une solution qui est bonne. T'sais, tu peux pas dire, mettons, je vais faire ça, ça, ça va être correct. Non, non, c'est pas mal que ça marche. Ouais. OK. C'est lui du haut. Il va avec celui sur le côté à droite. Ça, c'est correct. Ensuite, celui à gauche. Il va avec celui du haut, je pense. Après, l'autre, il va aller. Attends une minute. On va faire ça, ça va être plus simple. Lui, il allume ses trois là, on est d'accord. Après ça. Lui, ça se correct. Lui, il apparaît de même. Si je l'enlève, lui, ça apparaît comme ça. Ok. Bon. Sauf que. Ok, attends. Non. J'enlève ça. Ok, lui fait apparaître.
Il m'en restait juste un. Fuck. Non. Ok. Lui, il apparaît tout en bas. Ça, c'est clair. Ok. Là, si je prends l'autre. Ok, lui fait apparaître celle-là. Lui c'est l'autre bord. Ok, si je prends celle-là maintenant. Ok, lui fait apparaître là. Ok. Puis ça doit être ses deux côtés, j'imagine. Mettons. Les deux. Attends. Si j'enlève ça, je fais ça. Non. Ok. Enlève ça, là. Bon. Ok. Fait que lui, il fait apparaître l'autre à gauche. L'autre fait apparaître l'autre à droite. Eh merde. Ok. Mais si... Ok, attends une minute. L'autre est à droite. Fait que si je prends à partir, mettons, de droite comme ça, ici, de gauche, je pense que je mets l'autre ma gauche, ça va pas bien. Ok, lui, il fait apparaître le bidule, là. Sauf que, faut que je réussisse à enlever l'autre bidule pour que l'autre apparaisse. En fait, fait que... Que de même. Fait que là, en principe, je clique là-dessus. Attends. Ok. Astor. Là, il me reste à trouver la combinaison pour les autres bidules. Fac. Ça. Celui de gauche est relié avec celui de droite, je pense. Attends. Genre ça. Ok. Puis après. Ok, attends. Si... Si... je vais là. Ok. Là, ça libère-tu mon haut? C'est ça, je m'en souviens plus, par exemple. Ok, attends. C'était lequel don, Stick? C'était celle-là? Hey, j'ai peur de tout me mêler. Il me semble que je suis pas spé, là. Ok. Donc c'est celle-là ici. Là, il faut que j'aille chercher mes deux derniers dans le centre. Ok, mettons, je fais ça. Non, l'autre bord. Ok. Et c'est tout le maudit problème, il m'en reste toujours un. Schnutz. Ok, non. Non. Yes! Oh! C'était pas évident, celui-là non plus! Tabarnan! Ok. J'ai mal à la tête. Oh, ce n'était que des chauves-souris. Ces bestioles arrivent toujours à me faire peur. Chut! Tu entends? Il n'y a pas grand monde, là, Calvas, là. N'essaye même pas de l'ouvrir, Milou. Oh, oh non, encore!
Tonnerre! Ça commence à bien faire avec les portes qui se ferment. Je suis d'accord avec toi, moi aussi. Ok, next. Ah, il y a une photo à prendre ici. Elle était où? Ok. Ok, ici. That's it. Okay, parfait. Ah non, pas encore ça. Le plafond de la caverne vient frapper ici. Juste à côté de ce pilier. Aïe. Le signe royal de Kiosk. Connaissant nos amis égyptiens, c'est là qu'il faut diriger le rayon lumineux. Ben oui, hein. Rien de plus simple. Ouais, du plaisir. Calvos. Ok. Donc, c'est quoi ça? Sélectionner la pièce. Ok. Je suis posé de faire quoi? Ok, je veux bien, mais que la lumière la reflète dessus. Fait que lui, faut que je le déplace. Voici comme la face polie de ce prisme réfléchit la lumière, Milou. Ok. Bon. Ok, fait que là, la lumière, là faut que je le tasse. Attends. Je peux pas le tasser. Ok, fait que ça n'a pas le choix, faut juste. Celle-là, j'ai pas le choix. Ok. Ah! Oh. Attends. Ok. Déplacer ce pilier brisé ne sera pas d'une grande utilité. Faut que je fasse pivoter celle-là.
Là, le faisceau est rendu où? Ben, je veux bien déplacer la caméra, mais calvas. Je suis même pas rendu où. Je peux pas aller plus loin. Ok, lui il reflète sur le mur. En fait, c'est vrai que c'est pas bon ça. Parce que ça serait le fun si on pouvait avoir quelque chose. Là, je vois fuck all. Ok. Déplacer ce pilier brisé ne sera pas d'une grande utilité. Un pas quelque part. Bon, c'est vrai qu'il veut pas sauter. Ok, c'est quoi ça? Wow. Attends, comment je fais pour quitter là? Je vais juste comme... Pas bonne cette photo là. Ah mais je veux juste quitter ça. Bon. Quoi que ce soit, cela n'a pas l'air de fonctionner. Je peux pas aller plus loin dans le fond. Bon, on va essayer de réfléchir là. Il doit pas être si loin de la vérité. Parce que si je le tasse, l'autre va à la droite. Ok. Mais...
Je veux bien, mais... Ok, mettons que... Est-ce qu'il faut que le faisceau lumineux aille vers... Je peux pas rien faire là. Bon. La lumière a comme pas bien choix de tourner, il me semble. Lui, dans le fond, il a pas le choix, faut qu'il pivote vers le bas. Ça, c'est sûr. Enfin, où est-ce que je suis, c'est correct. Là. C'est la seule issue possible, il n'y a pas d'autre. J'ai pas le choix de le faire dévier avec l'autre, c'est sûr. Mais si je la tourne de l'autre bord. Ok. Lui, il est correct là. L'autre, il est correct là. J'ai pas le choix de le faire dévier. Là, pourquoi ils m'ont donné un pilier brisé? Tu veux que je fasse avec ça? Faut que je fasse dévier la lumière. Mais lui, il pivote-tu? Ouais, je peux l'avancer, mais. Lui, il pivote pas du tout. Fait que ça marche pas. Comment je fais pour amener la lumière? Salut, Piette! Tintin, c'est tough. Peux te le dire, là, c'est pas facile, comme dirait l'autre. Ok. Attends, là, faut que j'aille par où, là? Non. On sait où que la... Ok. Je pense que c'est ici. Ok. Là. Assez. Ouais. Ok. Je comprends pas pourquoi ils peuvent pas aller en haut. C'est stupide. Je peux pas les faire traverser non plus d'un bord à l'autre. Ton premier livre. Ah ouais, tu vas écrire? La seule affaire que je peux voir, peut-être, c'est si lui, je l'envoie là-bas. Puis,
Mais non, ça marchera pas plus. Parce que disons, je peux pas les faire pivoter, fait que tu sais, ça me sert à rien, là. Aïe aïe aïe. Tu sais, si au moins la lumière serait descendue sur l'autre. Non, je pense que je suis correct avec ça, mais... Sacré bordel. C'est lui, il a pas le choix, là. Sais, je peux le faire pivoter, mais... Ok, attends. C'est lui, après ça, je l'amène là. Ah ouais, à la maison. La lumière, faut que je l'amène complètement en haut, là, là-dessus. Fait que c'est ça. J'ai beaucoup de plaisir en ce moment, je te dirais. Je sais pas si je peux lui, je peux l'amener vers le haut. Ah, c'est ça, ça passe pas. Le chemin, il est trop petit vers le haut. Je peux pas les déplacer à la main non plus. Fait que... Ok. Premièrement, Eclipse, ça s'écrit pas comme ça, là. Après, l'écrire, on en reparlera. Y a sûrement quelque chose qui traîne à quelque part, si vraiment je croirais. C'est quoi ça? On dirait l'un de ces panneaux qui réfléchissent oh, les rayons tabarnane. Il a ok. Tombé. Ouais, puis je fais quoi après, moi, avec ça, là? Je vais mettre ça où? Attends, là, j'étais où tantôt? Là. Et je place ça où, moi, ce petit triangle-là, tu sais? Ici? J'espère que cela fera Ah! l'affaire. J'aurais arraché longtemps maudit de pas le trouver. Ok, fait que là, lui tourne. Mais c'est pas ça qu'on veut. On veut que ça s'en vienne ici en bas. Attends. Ah non, je suis bien con. Ça sert à rien, dans le fond. On aurait mis ce qui était, là. Ok. Bon. Lui. Ok. Il va aller là. Faut que j'en descende un qui est là-bas. Ok. Mettons que je prends l'autre ici. Je fais ça comme ça. Ouais, non, ça n'a pas rapport. Ah, ok, non.
Faut que je les inverse. Je pense. Ok. Ça. Je pense que c'est ça. Sinon, je vois pas de l'autre chose. Yep. Ok. Fait que. Je prends celle-là. Je viens le descendre. Non, attends. Faut que je déplace l'autre ici. Il est trop. Ok. That's it! Oui, j'en étais sûr. C'est juste, il savait. Il, ouais, on, fallait juste trouver le maudit triangle, là, puis ça simplifie les choses après. Là. Ça ne t'attendait pas de dire qu'il y avait un triangle à quelque part, au lieu que je cherche comme un imbécile. Calique. Bon, ok, fait qu'après, faut que j'aille en haut. Parce qu'il y a une machine en haut. Ta-ta-ta-ta-ta. Bon. Le pilier de kiosque a dû les activer. Voyons ça. Oh, t'es sérieux? Hey, sérieux, ce jeu-là, il y a tellement d'énigmes, c'est ridicule. Tu veux que je fasse quoi maintenant? Changer la pièce, déplacer la pièce. Oui. Je suis posé de faire quoi? Ah, ok, d'accord. Bon, là, Max, je trouve que tu prends un petit peu trop tes heures pour un nouveau, là. On s'en reparle au podcast, mon grand. T'es un peu, là. Non, ok. Lui, il était correct. Non. Oh, 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 oh. Non. Elle ne bouge plus. Yes! C'est une bonne chose, non? Oh, regarde! Eh, ça passe bien vite, ça fait déjà quasiment 2 heures. Tab! Donc nous, nous y attendions. D'une pipe. Mais qu'est-ce que c'est? Ben voyons. Ok, il y a encore plein de choses à faire. Bon. Le professeur m'a parlé de cette déesse. Piquette tes caves. Mais je t'aime quand même. Elle ne te plaît pas, hein, Milou? Apparemment, à l'origine, ce n'était pas un chat.
mais un lion. Et lorsque les Égyptiens ont commencé à apprivoiser les chats, ils ont modifié son apparence. Il y avait un œil bizarre qui me regardait. Cette momie n'a pas l'air vraiment ancienne. G.H. Carnawal. Une minute. Ce nom me dit quelque chose. C'est ça, là, ça s'écrit avec un CCD en passant. Oh non! C'est incroyable! Le professeur avait raison à propos de la malédiction du tombeau. Ce sont tous les savants qui ont violé la sépulture du pharaon Kiosque. Les malheureux, ils ont payé cher leur découverte. Qu'est-ce que c'est ? Un genre de crochet ? Bon, j'ai trouvé ça. À quoi ça me servait ? Aucune idée. À quoi tu me montres ça? C'est ça, je comprends pas. Ouais, faut que je perce le secret du tombeau, j'ai pas le choix. Bon. Pas plus avancer. Lui, c'est quoi qu'il y a? Ah, il y en a un autre morceau, là. Il me semble que le professeur a appelé cela un ankh. Un ankh. Hey, c'est mon ankh André! Alors, je ne taperai pas encore ça, c'est correct que j'ai compris, là. Sélectionner pièces. Ah, pour que je mette un morceau dans les mains. J'imagine. C'est ça. Ok, puis lui. On va jouer du bongo. Attends. Non, je me suis trompé de main, dans le fond. Si je vois le dessin, dans le fond, le ankh. Non, c'est correct. Pourtant, c'est de la bonne main. Attends, je pense qu'ils sont obligés de se regarder, je pense. Ok, mais il manque des morceaux. On dirait un hôtel pour des animaux momifiés. Les compagnons du pharaon Kiosque, peut-être. Ok, c'est où la photo? Ah, c'est là. Ok, parfait.
zoomer un petit peu. That's it. Une belle photo pour la postérité. C'est curieux. Ces traces de cire semblent provenir de sous ce mur. C'est curieux, il représentait parfois le dieu Anubis comme un chien, et d'autres fois comme un humain à tête de chien. Ah, le morceau est ici. Ok. Un autre Ankh, un symbole de vie, d'après le professeur. Celui-là, c'est Ankh Aaron, un ancien joueur de baseball. Hey, Piquette, t'es gassant, mais comme j'ai dit tantôt, je t'aime de même. Fait qu'il reste comme ça, champion. Les traces de cire s'arrêtent ici et... Tiens, encore ces étranges cigares. Nous sommes sur une piste, Milou. Je le sens. Oh, et Milou, son tombeau, il est là, puis Tintin aussi. Pourquoi ceux-ci sont-ils vides? Mais regarde, là, c'est toi et puis Milou. Le professeur Cyclone? Oh non, ce n'est pas possible. Milou, il faut sortir d'ici à tout prix. Ah, l'autre morceau, il est là. Je pense savoir à qui cela appartient. Alors ça, c'est-tu une canne, ça? Non, ok, c'est un morceau de... Ces trois sarcophages ont été fabriqués récemment. Écoute, je vais pas te revenir avec l'info au podcast, là. Quand je vais parler du jeu, justement. Ok. Fait que lui... Je pense que je me suis fourré. Je pense que... Ah, c'est ça, faut que je me fie au dessin qui est là. Fait que c'est ça, faut que je le reprenne. Puis, c'est quoi, faut que je mette dans les mains, là? Attends. Ok. Comme ça. Faut que je mette le fouet. En tout cas, quelque chose de même, là. Ok, fait que... Ça. Le fléau. Ça, c'est correct. C'est quoi qu'il y a dans les mains? Bon, pas facile, hein, les gars? À ce soir, hein, vos commentaires sont constructifs en mosée. Ok. Lui, si je le tourne, ça va être là. Ça va être ça. Puis, ici, ça va être le crochet. OK. Puis là, faut que je le tourne. Pour qu'il soit un en face de l'autre, je pense. What the fuck? Ah, OK. Bon. Bon, ils se font face l'un à l'autre, là? Non? Oui? Bon, après ça, je fais quoi? Attends, y'en a-t-il un qui a le bras d'un zère? Y'en a un qui a une... Attends un peu, là... Non, les deux sont pareils. Fait que le fléau, ça... Ok, puis après, je fais quoi? Ça alors, regardez-moi tous ces hiéroglyphes. Le professeur saurait ce qu'ils signifient. Je dois trouver un moyen de traverser ce mur. Ouais, s'il y avait un deuxième film... Bonne question! Il me semble qu'il y avait... Attends une minute, là. Steven Spielberg, il me semble que... C'est lui qui avait fait le film sur Tintin, non, il me semble? Oui. À la base, il me semble que ça se fait longtemps, mais il me semble que c'était ça, là.
Les aventures de la secret de l'Alcorne, ouais, c'est ça, c'est avec ça qu'ils avaient fait le jeu, en fait. Puis il y avait Captain Haddock qui était joué par par Gollum. Gollum. Le gars qui fait l'acteur dans Enslave, Odyssey to the West. Puis il fait Gollum. Andy Serkis, je pense. Quelque chose de même. Ça me semble que c'était ça. Y a-t-il une suite? Attends, je vais aller voir, là, si tu piques ma curiosité. S'il y en a un, ce serait réalisé par Peter Jackson. Puis Spielberg serait le producteur. Je sais pas, là. Eh boy. La dernière nouvelle, c'est en 2022. Fait que d'après moi, c'est peut-être un petit peu mort, là. Je sais pas trop, là. Mais en tout cas, je ferai des recherches, puis j'en parlerai au podcast aussi, là. Mais en tout cas, bref, je me souviens qu'en 2011, il y avait le secret de la licorne. Ça, je m'en souviens très bien. Mais là, savoir s'il va y avoir un deuxième, je sais pas. Parce que ça serait bien, par contre, parce que ça fait longtemps, maudit, là, que le film a lieu, là, quand même, en 2011. Mais je sais pas trop si. Écoute, je checkerai vite vite, là, mais pour l'instant, je pense que c'est mort un peu, là. Fait que. Regardez vite vite, là, en 2020. Écoute, les dernières nouvelles, c'est en 2020, ils disaient qu'il était supposé avoir une adaptation des Bijoux de la Castafiore au cinéma, mais ça a été oublié, puis c'est vraiment la suite du Secret de la Licorne qu'ils veulent faire. Fait que, tu sais, mais ça aurait été bon aussi, peut-être, tu sais, des films de même en vrai. Ils pourraient faire Objectif Lune, puis on a marché sur la Lune, ça pourrait être très bien aussi, ça aussi, c'est des suites. Fait que, tu sais, en tout cas, parce que le Secret de la Licorne, la suite, c'est quoi? C'est-tu le trésor de Rackham le Rouge? Je m'en souviens pas, parce que, hey, écoute, En tout cas, bref, il y a une historique assez incroyable sur Tintin, là. Faudrait vraiment regarder ça, mais ouais. Ça serait pas une mauvaise idée, en fait. Bon, en tout cas, bref. Je regarderai ça là, pour le podcast au jeudi, là. Ça pourrait être intéressant, mais tu sais, je veux dire, en tout cas, pour l'instant, comme je disais, il n'y a pas grand-chose d'annoncé, là. Fait que. Je pense que. Je sais pas, je peux-tu comme sauvegarder ici? Je vais m'arrêter là, ça fait déjà 2 heures, fait que. C'est quoi le journal? 5 sur 11 photos, 0 as de trouver, ça va très bien. Super performance à date. Ok, bon, mais je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je continuerai ça demain. Puis après ça, mercredi, avant le podcast jeudi, j'aimerais ça faire la démo de Stellar Blade dans le but de me mettre dedans. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il y en est de ce jeu-là. J'ai des petites infos déjà en partant. Je sais que ça va être un jeu exigeant, mais un peu comme Rise of the Ronin, il va y avoir un mode histoire. On pourra adapter aussi notre jouabilité comme on veut, donc pour que le jeu soit moins difficile, qu'on puisse continuer à jouer pareil, même si le jeu à la base va être exigeant quand même, mais c'est pas grave, je vais voir à ça. Fait que je vais me taper la démo mercredi probablement, puis pouvoir en parler au podcast, mais demain je vais faire une deuxième séance sur Tintin. Puis qui sait, peut-être vendredi, puis à la fin de semaine, je vais essayer de voir Tintin, ce que je peux faire avec ça. Je vais passer sur d'autres jeux d'ici ce temps-là. Fait que ça complète pour aujourd'hui la deuxième partie de ma série explorageuse sur Tintin, reporter, les cigares du pharaon. Vous allez pouvoir retrouver cette vidéo sur ma chaîne Twitch, explorageux, le site factgeek.com, ainsi qu'à notre chaîne YouTube, Facteur Geek.
Commentaires, suggestions, courriel, A commercial, et boy, FacteurGeek@commercialgel.com, médias sociaux, Twitter, Facebook de Facteur Geek, Twitter personnel aussi, Jedi Zor, et notre podcast, l'Assemblée Vidéoludique, que vous pouvez trouver partout, en audio ou en vidéo. Quand je dis partout, c'est vraiment partout. Regardez en dessous d'une roche, il va être là. Soulever une tortue, il va être en dessous de la carapace. C'est sûr qu'il y a un podcast qui traîne à quelque part. Donc voilà. Je sais que ça a été long ce soir. Les énigmes sont vraiment, mais vraiment pas évidentes. Là. Pour vrai, là, c'est... Ouch! Je m'attendais pas à ce niveau-là. Ça avait l'air d'un jeu plus familial, à la limite. Puis... s'il y a quelqu'un qui me dit que son enfant a joué à ça, mettons, de 7, 8 ans, même 10 ans, puis qu'il a réussi à faire les énigmes tout seul, ben, inscrivez-le à Harvard tout de suite parce que c'est un génie. Écoutez, là, on était quoi, à 3-4 à un moment donné aujourd'hui, là, puis l'énigme des statues fait, qui reflètent la lumière pour trouver le symbole. Hey, ça a été long. Quand on a pris j'ai compris le concept, après ça, c'était correct, là, mais pas évident au début. Mais j'aime ça. Ça me permet de me creuser un manège, comme dirait une ancienne collègue de travail. Elle se creusait pas un manège, non, elle se creusait un manège. C'est quand même pas bien comme expression. On a fait un péronisme ici. Donc, c'est ça. Fait que moi, je laisse là-dessus que les quatre choses les plus importantes dans la vie, l'amour, la paix, la santé et surtout les éclipses. Eh oui, la prochaine éclipse, ça va être une éclipse lunaire. C'est en 2025. Un petit peu moins spectaculaire, disons, qu'aujourd'hui. Mais bref, c'est ça qui est ça. Fait que, ben non, la quatrième saison chez les jeux vidéo, voyons donc. Donc voilà, fait qu'on vous offre un beau podcast jeudi. Donc moi, je suis sûr, je prends congé. Fait que le plan de la semaine, à date, ça va être ça, pour finir. Aujourd'hui, Tintin. Demain, Tintin. Mercredi, Demo Cellar Blade. Jeudi, podcast. Vendredi... je vais essayer de continuer Tintin si j'ai pas d'autre chose entre-temps, parce que j'ai quand même un autre jeu à vous présenter. Je vais voir si je vais le faire pendant la fin de semaine ou si je laisse la place à Tintin et je vais le finir au complet avec vous. Je vais voir à ça, mais pour l'instant, bref, ça va être ça. Fait que, en terminant, merci à tout le monde qui ont été là aujourd'hui. Merci à ceux qui vont l'écouter en différé. Qui vont l'écouter, qui vont le regarder, qui vont le visionner plutôt, on va dire ça comme ça, sur n'importe quelle place où ce qui va être disponible. Puis en terminant, parce qu'il faut terminer un jour, hein, c'est bisous à votre femme, à votre mari, à votre copain, à votre copine, amoureux, amoureuse, câlin à vos enfants, puis on se retrouve demain à 18h. Merci, à la prochaine, donc demain.